la pause. Voilà, c'est toujours la pause et merci pour l'écoute. De temps en temps, ça fait plaisir de s'entendre d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais bon, voilà, on est toujours en direct et dans le direct, il y a toujours des aléas techniques. Anyway, bonjour chez vous et surtout merci de nous retrouver dans cette émission aujourd'hui. Hier, ça a été une émission extraordinaire. On était avec justement Sophie Aïda et on a reçu tellement de retours de vous qu'on s'est dit, bah, tiens, pourquoi ne pas réitérer en réinvitant d'autres personnes. Et pour vous faire plaisir, on a invité Yannick Smoussi, on a invité Joël Moussel-Beaupont, on a invité Monsieur John Madaï, on a invité mon mentor ambulant, on a invité mon unique et idéal. Ah ben oui, bien sûr. Voilà. Alors, je vais juste vous préciser quelque chose. Franchement, nous avons des stars et des talents chez nous. On ne sait pas juste les vendre comme cela se doit. Exactement. Vous voyez, par exemple, Sophie Aïda, c'est une personne qui, en Côte d'Ivoire, a été accueillie comme une superstar. Ouais. Elle est camerounaise à la base. Elle a fait le tour du monde, certes. Mais quand elle bouge en Côte d'Ivoire, c'est une entité. C'est vraiment une personnalité. Ici, chez nous, quand nos stars bougent, on les regarde et on les minimise. Un peu comme si... voilà, au mundo ondeo. C'est vrai, mais mundo ondeo. Mais quand même, hein, on reste des têtes d'affiche. Et nous sommes des ambassadeurs du Togo. Que vous le vouliez ou non, quand on ira ailleurs, on nous reconnaîtra parce que ces visages passent sur une chaîne nationale ou alors sont des têtes d'affiche dans leurs différents domaines d'activité. C'est pareil pour vous. Quand, comme on dit chez nous, l'oiseau, c'est là. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Mais je veux aussi préciser que chacun de vous qui nous regardez en ce moment, vous êtes des stars. Vous n'avez pas besoin de passer sur une chaîne nationale avant. Il suffit que vous vous perfectionnez dans votre domaine d'activité, que vous vous mettiez un peu plus en avant. Voilà. Il y a quelque chose qu'on appelle le personal branding qui vous permet justement de faire parler de vous, de votre vie professionnelle, de vos hobbies et surtout d'intéresser les gens à vos activités. Tout le monde devrait avoir normalement son personal branding. Tout le monde devrait avoir une image. Parce que si vous travaillez dans un domaine d'activité, on cherche des personnes ressources et vous êtes une personne ressource. Que vous soyez menuisier, mécanicien, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez star, artiste, chanteur ou encore mentor ambulant, le personal branding est vraiment important. Et aujourd'hui, nous sommes dans le monde du numérique. Ça veut dire qu'on doit vous connaître dès qu'on va, par exemple, sur Google et qu'on tape votre nom, vous devez être référencé. Voilà. Si vous me regardez aujourd'hui que vous n'avez pas encore cette situation dans votre vie professionnelle, que vous n'êtes pas encore connu, alors que vous rêvez franchement de percer le marché de l'emploi, vous rêvez de percer ou encore de juste vous installer convenablement sur le marché de l'entrepreneuriat, vous devez absolument vous créer votre base de données sur les réseaux sociaux. Je parle des réseaux sociaux, je ne parle pas des influenceurs ou pseudo-influenceurs dont moi-même je fais partie. Hein. Non, je vous parle justement des personnes qui ont quelque chose à vendre, qui ont du contenu et qui ont de la matière. Des personnes que vous pouvez suivre parce qu'ils vous apportent justement de la connaissance dans leur domaine d'activité. Et quand on parle d'influenceurs, c'est des gens qui peuvent vous parler, par exemple, de mode, d'entrepreneuriat, de musique, de cuisine, ou encore de voyage, de tourisme. Et ce sont des personnes qui deviennent des ambassadeurs dans leur domaine d'activité. C'est ça ce qu'on appelle influence. Et je veux juste envoyer des applaudissements à tous les influenceurs qui travaillent pour que le Togo soit. Du Togo, gros bisous à vous. John Dadaï, pour nous, c'est notre influenceur sport. Exactement. C'est grâce à lui que vous avez les informations sportives. À la seconde dans cette émission, il vous revient sur les maths et justement, nos joueuses sont de retour à Lomé. Exactement. Hein. Bonjour, Dadaï. Bonjour tout le monde. Bonjour, Dadaï. La vie, elle est coquine chez moi. J'espère qu'elle est coquine chez vous aussi. Ouais. Elle est lourde. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, nos joueuses sont à Lomé. Après on avoir les reçoit battu, quand? On les reçoit quand? Je vais voir, je vais voir. Il faut que tu vois vite parce qu'elle va repartir. Hein. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore parce que bon, l'équipe togolaise, en tout cas, elle a battu celle de Sao Tomé. Donc, les Saint-Toméennes ont été battues 7-0. C'est laminé. Pardon, c'est un match de basketball. Non, ça va. Non, mais on a pris la bonne formulation pour annoncer ça. Ce n'est pas une victoire, c'est une humiliation. Ah oui. Quelle humiliation. Exactement. Et puis, cerise sur le gâteau, les Saint-Toméennes ont déclaré forfait. Pour le retour. Oui, pour le retour. Ça fait donc les Togolais sont directs au second tour. Non, franchement. Bravo.
Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est de la parité, c'est de l'équilibre. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, les filles ou les femmes, le feront. Et bien voilà, bravo les filles. Elles vont jouer contre le Gabon. Oh, ça c'est rien. Le Gabon a quand même été battu. Le Gabon a été battu par le Congo. Attention, quand on parle du Gabon, c'est pas un pays facile. Le Gabon, non, mais tu sais, je suis un peu dubitative par rapport au Cameroun, parce que je sais que la coupe avait été remportée par le Cameroun. Exactement. Et le Cameroun a une joueuse extraordinaire. La grosse, c'est une lionne de ouf. Ben, on n'a pas peur ici. Mais nous, on n'est pas petit. Hein. Non, ouais, tu dis pas. Sérieusement, 5 à combien? 5 à 0. 5 à 0, vous pensez que le Cameroun peut mieux faire? Les filles, good job. Franchement, good job. Cas, on va voir tout ça là dans Pro Sport tout à l'heure. J'ai aussi une vidéo pour vous, vidéo fitness avec la sulfureuse à plat. D'accord. On va voir ça. On va voir ça, merci notre ambassadeur. Alors, on parle de diététique, justement, comment prendre soin de votre corps. Il faut s'alimenter, la consommation de 5 fruits et légumes par jour, c'est très important. Et c'est juste indéniable. Alors, celui-là qui s'en charge aujourd'hui, qui est également un grand influenceur, il se nomme Mr. Yannick Smoothie. Bonjour Yann. Bonjour, ah, mais j'oublie pas la partie de la valise, hein. À chaque fois, je tombe sur ta tête. Oui. Absolument. Ben, alors. Maman, je sais qu'il fait frais de l'autre côté, mais bon. Il y a quelqu'un qui est rentré dans le studio de la TVT hier. Il y a une personne qui est rentrée dans le studio qui a fait what? C'est qui? Je retire tout ce que j'ai dit. Je ne savais pas que vous étiez dans du high-tech. J'ai dit non. Merci. On n'est pas dans du high-tech, on est dans du high-tech plus, plus, plus. Attention là. Donc ici, vous avez... Pro Max. Pro Max, s'il te plaît. Pro Max. On l'avoue, exactement. Du coup, oui, ici, il y a de la forte technologie et c'est de la même manière que le climatiseur caille. Ça caille. Clément est doux. Un temps amoureux. Ton micro. Elle n'est pas dans le micro. Oui, je parle dans le micro. Tu le fais. Tu veux qu'on te fasse. Bonjour Yannick. Ça fait super plaisir de vous retrouver encore ce matin. Du matin sur la terre. Ouais. Voilà, un mercredi pas comme tous les autres. Ouais. Voilà, et on va continuer cette émission. Ouais. Alors, il y a une information pour Yannick. Non, Innocent, tu peux venir. Viens. Innocent, tu peux venir. Il y a une information pour Yannick, voilà. On vous parle d'Innocent, c'est le régisseur de cette émission. C'est tonton Innocent qui demande à toute sa famille d'envoyer des messages pour dire qu'il travaille à TVT. Félicitations, Innocent. Alors, le message pour Yannick. Félicitations. C'est quoi le message? Il faut que tu lui dises dans l'oreille. Yannick, tu tiens bien ton micro. C'est pas ton problème. Ah non, c'est pas la guerre quand même. Il faut dire aux téléspectateurs, c'est la pression que nous recevons. Absolument. De tous ceux qui sont derrière la caméra. Là, sérieusement, on est quand même, on nous lance des chaussures. On nous lance des chaussures parce que oui, on a quelqu'un mal tenu le micro. Jean Badaï est en train de faire trop de zèle, il en a de trop sur le plateau. C'est Menteur Ambulant qui joue justement sa senza un peu trop fort. On vient nous dire ici, très rapidement, les gars, retenez-vous, vous êtes sur une chaîne nationale. Et j'envoie un gros bonjour à monsieur le directeur de la chaîne nationale. Bien. Allez. Ouais. Je peux? Tu avais fini, non? On a quitté ici. Il faut consommer les fruits, certes, mais il faut aussi manger sainement. Et on est là pour faire découvrir la nourriture ou les mets de chez nous. Donc demain, nous allons manger encore. Quand vous allez chez la vendeuse d'Aïmolo, généralement. Et Océane, par exemple, quelle est ta composition? Tu ne le connais pas. Alléluia. Quel élément ne manque pas sur ton aïmolo? Ne pose pas deux questions à la fois, parce que la première question est déjà très dense. Okay. Alors, quelle est ma consommation? Ou ma composition? La composition. Oui, ma composition, c'est ma consommation. Alors, je prends d'abord aïmolo 200. Premier tour, aïmolo 200, un œuf. Akpaman 200, ça si la vendeuse n'a pas Akpaman, je ne mange pas.
fromage 200. Wangash. 200. Et puis Mbagwangwalo, parce que le piment, souvent les piments sont trop forts et je suis, voilà, je ne peux pas prendre de piment. Ça, c'est pour le premier tour. Et attention, je rajoute de l'avocat. Très important. Alors, pour tous, en fait, pour tous qui sont ici, nous mangeons souvent le wangash. Ouais. Et donc demain, nous allons recevoir une dame ici qui se spécialise dans le wangash. Alléluia. Et elle va venir nous faire découvrir les différents types de wangash. Il y avait cette autoration. Ça, c'est une information qui fait danser Martha à la maison. Parce que Martha, elle est mordue de wangash. En plus, demain, elle sera là. Exactement. Bon, voilà, soyez câblés demain. Pour la suite. Ils n'ont pas le choix, ils nous aiment bien, on les aime bien, ils vont être câblés parce que c'est ça le contrat entre nous. Merci bien. Alors, Mr. Joël, Fespaco, toujours, il lui reste encore quelques jetons de Fespaco. On va nous questionner sur... les derniers événements. C'est vrai qu'il est rentré à Lomé, il s'est même coiffé, il a sorti sa bague de mariée. Il faut quand même... enlever les trucs de voyage, les choses des blancs, quoi, tu comprends un peu? Pour enlever les choses un peu et puis, bon, mettre les gens à l'aise. Joël, surtout c'est que, au niveau de la direction nationale de la cinématographie, on est très suivi aussi dans les ministères, on est très apprécié dans cette émission. Quoi. Je pense que je vais vous donner le meilleur de l'information aujourd'hui, ce qu'on a ramené du Fespaco. Et puis, aujourd'hui, c'est mercredi, la fête du cinéma, du film d'animation. Ça sera à l'Institut français à partir de 18h. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Et puis pour féliciter également tous ceux qui ont fait tout un travail de l'autre côté. Je parle bien entendu de l'équipe togolaise qui a été représentée au Fespaco avec des productions qui ont été présentées. Aujourd'hui, vous allez revoir ou voir ou découvrir justement ce film dont parle Joël à l'Institut français qui a été une réalisation d'une femme. C'est extraordinaire. J'adore dire Ingrid ça. C'est Agbo. Une femme. Ingrid Agbo. Ouais. Félicitations, Agbo. Allez, maintenant, on va se calmer, calmer nos ardeurs, s'il vous plaît, parce que oui, il faut implorer la présence des entités. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Si tu savais que la vie, c'est comme... le vin de palme vieux de deux jours, à la fois aigre, à la fois doux, aussi doux que la betterave, mais plus saoulant qu'un whisky de 300 ans. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Hey. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Hello. Yo, 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 hey, c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Hey. Yannick, ça va, ça va. Karen, ça va, ça va. Menu, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Courage, Bélo. Yo, 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 yo. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Loupola, ça va. Ça va. Gatigo, ça va. Ça va. Ossé, ça va aller. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Merci d'avoir écouté la nouvelle version de la pause. Yo, 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 yo. Aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre 2021. Vous savez, nous fêtons les concours à coups, à pays V. Un pays cabier s'agit de Tilalo, Tila, Balo. Mm-hmm. Mais pour le calendrier ouzien, nous avons les... Voilà. Et Kalouba Challenge est en téléchargement à plus de 90%. Justement, on attend juste le 10 et le 13. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un d'exceptionnel pour vous, mm-hmm. pour les anniversaires. Vous allez le découvrir, c'est un talent fou. Il est exceptionnel. Maman, dans le bizarre. Voilà, ça va être ça, la découverte de cette émission aujourd'hui. On va faire un petit tour sport, on revient sur les conseils diète, si on en a, et puis on va rester aussi sur le cinéma. Et je vous rappelle qu'hier, on a introduit dans cette émission un thème ou une situation que vit une de nos mamans avec son jeune fils. Est-ce qu'il faut vous la représenter en vous expliquant ou juste vous inviter à regarder une vidéo qui en parle le plus? Alors, si la régie est avec nous, je vous invite à suivre cet élément de Madame Marthe Faré qui s'est engagée derrière les jeunes
je veux dire les jeunes, les jeunes en général, également les parents, pour créer justement une certaine harmonie dans les familles, parce qu'il n'y en a plus beaucoup depuis qu'on est dans le 21e siècle. Et donc, regardez cet élément et juste après, on revient. Mais depuis un temps, le téléphone est plongé. Il y a mon l'auto est bon. Mais il y a mes soutiens mon humbédé. Il y a pas ça. Le via le téléphone quoi. Il y a quoi mais alors on est que ben mon bonheur est quoi. Mais depuis un temps, il y a mon téléphone un temps j'en ai verrouillé nam téléphone alors on verrouille parce que il y a mon son à téléphone à quelqu'un là-bas quoi d'abéré. Et nous on les mende on cache le via parce que nous souviens donc il y a des soutiens mon ina et mon dieu. Ni sorry. Yo nani alors si t'es difficile yo les bruno. Nous voyons si tu es jouvé les croix dans le nez que quoi. Notification, les va, notification, les va quoi. Il y a beaucoup de notifications à quoi. L'on l'a venu à Amérique de Gondre, il y avait vu si vous, il y a beaucoup de téléphones à mes parabés. Mais qu'est-ce que les gens ont? L'on l'a venu à Né, il y avait vu, il y avait vu que les gens ont. L'on l'a venu à Né, il y avait vu. Mais un téléphone, il y avait un téléphone, un message à quoi. Et je crois que nous suivons bien quoi. Peut-être encore mixé. Encore d'où les gens nous chantonnent, nous chantonnent, y'a une quoi. Et si on dit y'a pourquoi, nous souvenons photo. Oh, il n'y a que nous suivons encore, nous suivons photo. Il transforme le message. Il fouille, il dit, et il message, on me le dit, et pour la bébé, y'a n'y a oué nous souillé. Mais au blanc, photo sexy d'eau, les chansons à photo sexy d'eau, mais va nous souviller et qu'il a un yaman de fio et bien t'es bien à l'époque. Mais je l'ai pas caca qui est au cabacaba pour être à téléphone à des il est bouta mais caca n'est fia il est bouta mais le qu'il a voulu y'a bien y'a une babia voilà ma soigne à des cacoué et y'a mais bien au caca m'y avait vieux bé téléphone mais ma n'y a des lémiens mais jamais que le voir de coucou. Et ça veut message qui me partageait à mon val les zooms des kadia koto mingba nos ouamu la mais les sonia va pomia conseiller belédi ne coucou miné conseiller à l'oudé ou bien les miens sont mon quoi mais de coucou mingba nos ouamu ne m'y va les ouamu ma va toute histoire parce que à mes entours son histoire à l'oudam y m'bu à mes déco à mes entours son histoire à l'oudam de coucou miabé et isandé massé miabé n'y en dalo. Voilà, alors un petit SOS à l'endroit donc, de cette jeune maman qui se demande comment est-ce qu'elle va réagir face à cette situation. On espère quand même pouvoir compter sur vos interventions pour l'aider à mieux se sortir de là parce que c'est assez délicat. Dans la question, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit ou est-ce que les parents ont le droit justement de fouiller dans le téléphone ou dans la chambre de leurs enfants. Est-ce que les enfants n'ont pas le droit d'avoir leur intimité et par rapport à cette découverte sur la sexualité de cet enfant, comment la mère doit réagir? Est-ce qu'il faut qu'elle appelle le papa, qu'elle convoque une réunion familiale, qu'elle en parle avec son enfant? Est-ce qu'il faut qu'elle y aille de main forte, qu'elle rencontre le jeune homme en question qui échange avec son enfant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez certainement les réponses à nos questions et donc on vous attend nombreux sur l'humour qui est affiché au bas d'écran. Alors maintenant, on va partir avec... les informations sportives avec M. John Badaï. Et juste après, on revient pour retrouver notre découverte du jour dans Bizarre. Infosport. Pour
Voilà, alors une petite introduction de ce que vous allez vivre tout à l'heure. Si vous avez un tapis, ben écoutez, couchez-le par terre parce que vous allez devoir vous coucher dessus pour faire ces exercices-là. Et puis, on parle de santé. Et quand on est en sport, on parle également de santé. Je veux juste vous informer que les hôpitaux MAG, voilà, les hôpitaux MAG, pour sa première parution, est déjà disponible. Donc, vous pouvez l'avoir. C'est juste un magazine qui vous parle justement des dernières ou qui vous donne les dernières informations sur la santé. On est toujours dans la lutte contre le Covid-19. Et au-delà de ça, vous avez des interviews, vous avez des conseils santé. Vous avez tellement de choses à l'intérieur de ce magazine que je vous inviterai à aller vous le procurer absolument. Et j'envoie un gros bisou au docteur Achille et à toute son équipe des hôpitaux et moi. Vous faites un travail extraordinaire. Vous êtes magnifique. Monsieur John. Océane. Alors, comme on l'a dit en début d'émission, le Togo, bien les Togolaises ont pu vaincre l'équipe de Sao Tomé 5-0. Cette équipe-là qui s'est déclarée forfait. Alors cette équipe-là qui s'est déclarée forfaite après les 5-0, match talk du Amen. Alors le Togo va donc rencontrer le Gabon. La date, nous viendrons vous l'annoncer ici. Ok. Voilà. Donc on a quelques images des Togolaises lorsqu'elles sont rentrées à Lomé. Si la régie est avec moi, on peut les balancer. Sinon, on passerait rapidement à une information qui est aussi capitale. Il s'agit des éperviers masculins qui vont jouer l'éliminatoire. D'accord ? Ouais. Le match contre le Sénégal qui va se jouer ici à Lomé. D'accord. C'est le match, et puis un match retour. Hein. Le match retour. Alors, ça, c'est les filles. Ça, c'est les filles lorsqu'elles sont rentrées à la maison après le match contre. Elles sont calmes, là. Très calme. Très confiantes. Hein, exactement. Très confiante. Modestie, pourquoi pas. En tout cas, beaucoup de courage à elles. Elles sont jolies derrière leur. Non, mais moi, je suis toujours impatiente. Je veux les recevoir ici. Et on doit les recevoir ici. Entre filles. On doit les recevoir ici. C'est foot entre professionnels de foot. Merci beaucoup. Continue, non. Je n'ai rien dit, non. Voilà, encore. Alors, comme je le disais tout à l'heure, des dates à retenir. Oui. Je vais les voir jouer contre le Gabon avant de donner mon avis par rapport à l'équipe. Il n'y a pas de souci. Parce que Sao Tomé, ce n'est pas une équipe. Oui, Sao Tomé, c'est pas une équipe. Vous dites ça, je ne suis pas d'accord. C'est une équipe aussi. Est-ce que vous avez vu le match? Le match. De toutes les façons, on verra la suite. Est-ce que vous avez vu le match? Alors, le premier soutien qu'on puisse apporter quand même à cette équipe féminine, c'est les félicitations d'abord en second, mais surtout l'optimisme et la positivité. Parce que oui, même si on en a rencontré, on en a vu des murs et pas murs avec l'équipe masculine, ça voudrait dire quand même que, écoutez, ça reste un jeu. Et qu'il y aura des gagnants, il y aura des perdants. On reste sportif. Mais les filles, courage. Beaucoup de courage. J'avoue un peu que j'étais surpris. Je ne savais même pas qu'il y avait une équipe féminine. C'est vrai. Et donc, je suis sorti de... Pour moi, c'est des filles qui sont sorties de nulle part. Non, mais là, c'est juste pour dire, félicitations au travail qui se fait au niveau du comité national olympique. Exactement. Parce que, voilà, je suis sûr et convaincu que, comme moi, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas l'existence de cette équipe. Ils ne savaient pas. Donc, ça m'est tombé dessus comme ça. Exactement. Mais j'ai apprécié. Au moins, ça viendrait équilibrer le trou causé par l'équipe masculine. Alors, est-ce que tu t'engages pour la communication? Parce qu'il faudra, justement, comme tu l'as dit, beaucoup de personnes ne sont pas au courant qu'on a une équipe féminine. Et donc, ça veut dire qu'il faut leur apporter l'information et vous devenez aujourd'hui des chargés de communication de cette équipe nationale féminine. Merci beaucoup à vous. Pour les salaires, on verra. Oui, information. Alors, je le disais, le Togo qui va rencontrer le Sénégal. D'accord, ce match-là qui va se jouer sur le stade de Kégué, l'équipe masculine, bien sûr, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc c'est le 15 novembre que ça va se passer. Oui. Le 11 novembre, pardon, à Kégué contre le Sénégal. Et puis le 15 novembre en Afrique du Sud contre la Namibie. Voilà. Super. Alors nous allons partir tout de suite avec une vidéo, pour ne pas dire un compil, d'accord, de vidéos que Ambra nous a envoyé. Bon, en bas ou en bas, c'est la même chose quand même. Non, alors, donc, Sandra nous a envoyé. On va essayer de faire ça à la maison. C'est juste avec des bouteilles d'eau. Okay. On va faire les bras fixes. On va travailler les jambes, les cuisses, les biceps, les triceps, tout ça là. Regardez. Les forceps. Mmh.
des comptes, mon nuit, je me fais des tubes en un quart d'heure. Faut pas comprendre comment fâcher, moi pas parler, manger un strip pendant des heures. Je suis très poli et généreux, si tu me crois pas, tu peux demander, même à la soeur, ça le coup. Mes ennemis, ils m'aiment tous. Tiens, tout. Et c'est clair qu'avant, y'a ma vie de partout. Tout. Je suis King, Kanger. Voilà. Ça fait plaisir, arrêtez, franchement. Yeah. Alors, donc, quand tu es arrivé, il y a déjà une différence. Mister Yannick, allez. Oui, c'est Mister John. Non, mais je parle de Yannick. Pourquoi tu veux que... Je vais conclure très rapidement. Alors, vous pouvez retrouver quand même ces vidéos sur la page Instagram de Sandra. Tapez juste Sandra Fit Abla. Mm-hmm. C'est tout. Sandra voilà. Allez, Fit merci beaucoup. Abla. Merci Sandra. Super. Et puis elle a un très joli corps. Hein. Très joli. Il y a de la perfection dans ses exercices. Franchement, on dirait une gambasse toute jeune et vierge. Magnifique. Hein. Je suis d'accord avec vous. Trop belle, franchement. Faites c'est des exercices. Ouais. Vraiment, c'est du travail. C'est et puis consommez également du smoothie parce qu'elle adore les smoothies. Ça lui permet de laver le sang. Voilà. Il y a autre chose qu'il faut laver le sang. Merci. Alors, coucou la pause. Tu es choqué, en fait. Mais... Qu'est-ce que j'ai encore dit? Bon, c'est mignon, le, quoi. En fait, moi, c'est le lavement du sang qui m'a un peu rendu très épanoui. Ben, il a juste syntagmé. Syntagmage. C'est pas mieux de lire, mais syntagmage. Alors, coucou Océane. Alors, pour répondre à notre sœur, je peux dire qu'il n'est pas cool de fouiller le téléphone de son enfant. Si votre avis, on respecte absolument. Il serait mieux de discuter avec ce dernier à un âge donné et de commencer par suivre ses pas. Secondo, elle n'a qu'à chercher à connaître ce jeune homme qui laisse des messages d'amour à son fils et les corriger. C'est de la part de Jacques depuis Atakwame. Alors, les avis ont déjà commencé à venir par rapport au sujet de notre sœur Marthe Faré. Et on compte également sur vous pour pouvoir nous envoyer les vôtres. Alors, un autre message. Morning, Océane. Morning. You are so beautiful. Thank you so much. You love me. I love you also. Yeah. So I want to wish a happy new age to my brother Chico since Adakwame. Thank you so happy much. New. And happy new age. Thank you. Alors, comment allez-vous? Très bien. Jessica de Puchévier qui vous dit bisous. Merci beaucoup, Jess. Bonjour la télévision togolaise. Bonjour. Mes félicitations pour l'initiative que vous avez prise en nous offrant au quotidien cette détente télévisée. Merci. Je vous m'en dis donc merci. Hein. Vous me faites du rentre dedans des fois. Hein. Alors, à propos de la jeune maman, il faut d'abord voir l'âge de l'enfant. Il a 16 ans. Il s'avère aujourd'hui important de donner une éducation sexuelle aux enfants afin de leur faire sortir les conséquences positives tout comme négatives de cette dernière. Donc, c'est important de faire des reproches à l'enfant et lui accorder la chance de s'exprimer. Et après cela, appeler sa prétendue ou son prétendu partenaire pour mieux les comprendre. Et c'est de la part de leader Josué depuis Agbeledogan. Compréhension. Alors, c'est délicat et je sais de toute façon que les avis vont être divers parce que oui, certains diront qu'il ne faut pas fouiller dans l'intimité ou rentrer dans l'intimité d'un enfant parce que l'enfant déjà à l'âge, en adolescence, a le droit d'avoir son petit jardin à lui. Oui, mais il faut, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et aujourd'hui, avoir la manière dont les choses évoluent dans la vie, c'est mieux de contrôler comme attention ça, les clair. Enfants danger. Alors, moi, je vais placer un mot. Non, tu ne placeras que dans pause. Bien, alors merci beaucoup à John. Je t'en prie, Océane. On se retrouve de toute façon demain et vendredi pour forcément. Les autres émissions. Exactement. Ça fait plaisir et un gros bisou qu'on envoie à Miss Sandra également qui nous regarde. Bien, on va recevoir à présent un autre invité. On vous l'a promis, ça va être des découvertes. Et Mister Menteur Ambulant nous a ramené une pépite.
J'ai dit pépite. Ça va péter. Le Togo a une pépite, ça pète. Non, en c'est fait, une métaphore. Yannick, tu es j'adore. Toujours à côté. Hein. J'adore. Non, mais une pépite. Je vais te donner des bidons d'huile, tu iras vendre. Hein. Attention. Oh, c'est à l'attention. Attention. Non, sérieusement, je on parle de pépite, yeah. On parle de musique. Je dis que le Togo a d'incroyables talents. Vous n'imaginez pas. Et si ces talents nous regardent aujourd'hui, si vous le regardez, que vous sentez que vous avez quelque chose de nouveau, d'extraordinaire, et que vous avez envie que les gens connaissent votre talent, n'hésitez pas à venir dans la pause. Nous, on vous aime, on adore ce que vous faites. Et puis, on veut juste montrer au monde entier que le Togo est une plate incontournable de talents, et qu'on en a plus ici qu'ailleurs. On part dans Bizarre tout de suite, et juste après, on vous montre ce qui vient. Restez avec nous. Le Grand Chouk Albas Challenge se résume en la Coupe Nationale de Slam sous la thématique de la cohésion sociale. Le choix de ce thème vient à point nommé face à la situation sanitaire que traverse le monde. La société est déboussolée, nos habitudes sont perturbées, les liens sociaux déchirés face à ce changement brusque. L'inclusion sociale doit être un tremplin pour nous les survivants à cette pandémie. C'est en cela que les candidats finalistes de la Coupe nationale auront la lourde tâche de nous présenter leurs travaux sur leurs approches thématiques de solutions. Ainsi, l'artiste pourra jouer son rôle d'éclaireur de la société. 15 finalistes sont en course pour la Coupe. Alors, prends ton passe et ne rate pas ce rendez-vous du savoir le 13 novembre 2021 à 19h à l'Institut français du Togo. Le passé à 3000 francs au plus 228 91 63 16 48. Voilà, vous êtes toujours dans la pause sur la télévision nationale togolaise et merci infiniment pour vos messages. Salut à tous. Salut. Une discussion sérieuse et conseil s'impose. Que maman discute avec son fils, mais ne peut pas lui en vouloir parce que chacun est libre de vivre sa sexualité. Oh. Ça ne sert à rien de chercher à en faire toute une histoire en cherchant à rencontrer le gars. Sinon, je sens que le suicide viendra dans cette affaire. Mmh. Merci beaucoup pour votre intervention. Quelqu'un d'autre dit juste pour souhaiter une bonne émission, c'est Nick Cheveux. Merci. Ah, merci. Merci. Nick Cheveux. Nick Cheveux. Voilà. Alors, bonjour la télévision togolaise. Comment bonjour. Allez-vous? Ça va, super bien. Bonjour. Alors, c'est Félicité depuis Sagbado. Merci beaucoup, Félicité. Merci, Félicité. Bonsoir, la pause. Bonsoir. Alors, pour moi, il faut sérieusement remettre tout ça au Seigneur. Ce n'est pas facile de supporter ça. Et Netflix a tout gâté. Alors aujourd'hui, c'est Netflix qui éduque nos enfants. Courage à cette dame et qu'elle n'oublie pas que Dieu peut restaurer son enfant. Merci beaucoup. Alors, un autre message avant de découvrir notre invité du jour qui n'est pas venu les mains vides. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bien, bien. Pour ma part, cette maman devrait avoir une discussion avec son fils sans agression, oui. Mais tout en étant ferme. Ça, c'est vrai. Il n'a que 16 ans, donc ouais. Peut-être rééduqué sexuellement. C'est Dédé depuis le Cameroun. Ah, merci, Dédé. Un héroton, tu et vois, non? Dédé. Bonsoir, la pause. Bonsoir. Juste pour vous saluer, c'est Scaris depuis Hachégou. Merci ouais. Beaucoup, Scaris. Merci, et Scaris. Maintenant, le Togo a un incroyable talent. Nous allons juste tamiser la lumière sur ce coin. Bon, je ne sais pas si Abou est dans la maison. Mais bon. je l'ai dit pour moi, mais sérieusement, je veux juste vous inviter à rester focus sur ce qui va se passer de l'autre côté avec Menteur et son ambulant. Invité. Justement, ben, vous savez, avant toute chose, il faut de l'honnêteté professionnelle. Alors, ce jeune homme qu'on a à côté, on l'a découvert le vendredi passé. Exactement. En fait, dans l'émission Nectar, qui nous a fait l'honneur de nous fait cette découverte-là. Mm-hmm. Le gars, je ne sais pas ce qu'il fait avec les verres, mais vous allez voir tout à l'heure. Et merci à toute l'équipe de Nectar avant toute chose. Mm-hmm. Alors, nous sommes avec Exobeats, le folkloriste. On ne va pas encore parler. Il va se mettre en évidence. Et puis, vous allez comprendre le reste. Mon frère, mets-toi en évidence. On va jouer.
tout d'abord, je remercie l'équipe, la pause. C'est un plaisir. L'accueil là, Charles, je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Et je dis un grand merci au tonton, oh, le menteur ambulant. Yo frère, mets-toi en évidence. On y va. Alors, nous sommes impatients. Okay. On veut découvrir de quoi il s'agit. Ouais. Bien. Admirer toute la science avec laquelle notre ami va œuvrer. Le dosage, c'est par rapport au son. Mmh. On y va. Que l'Éternel bénisse le Togo. Amen. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est passé trop vite. On peut rebisser. Oui. On peut rebisser. Oui. On change. Mm-hmm. On part dans Denis Ban. Waouh. Un autre, un troisième. On va pas en abuser, non. Si, non, vraiment. Okay. Je vais jouer le morceau de mon neveu, Tonis. Picoté. Ok. J'ai quelques messages pour vous avant qu'on commence. C'est génial. Il est vraiment talentueux, le gars. Avec courage et force à lui. Merci beaucoup, shérif. C'est trop, trop chou. Waouh. Quel talent il a, ce jeune. C'est cool. Félicitations à lui. Merci. C'est très, très gentil. Alors, Bon, je vais rester sur les deux là d'abord. On revient à lui. Hé, maman,
J'ai la chair de poule. Là. Exactement, mais ben, ça se fait voir. Ah ouais, parce que c'est ingénieux, c'est ingénieux. Oui, c'est ingénieux. Mais je voudrais te poser la première question. Et mon frère, à la base, tu es pianiste? Bon, je ne suis pas pianiste en tant que tel. Je suis un batteur percussionniste. Mais je touche aussi un peu au piano. Waouh. Parce que là, on a carrément un piano, oui. Un piano de verre. Là, là je vais comprendre, parce que ça, c'est un travail de recherche. Mm-hmm. Comment tu es arrivé à trouver vraiment la dosage d'eau par rapport à la taille des verres? La dose. Bon, premièrement... Oui, tu peux retirer le micro, il n'y a pas de souci. Voilà. Premièrement, les verres, ce sont des idiophones. Yannick, attention, et c'est quoi? Qui dit idiophone, ce sont des percussions... qui résonnent quand on les frappe. Attends, et mon frère n'a pas bien saisi le début. Ce sont des quoi faux, hein? Les vers, ce sont des idiophones, ce sont des percussions. Peu de cours, ça de sont... Voilà. Idiophones. Oui. Donc, un objet qui sonne déjà, qui donne un son, moi, en tant que musicien, j'appelle ça instrument de percussion. Okay. Wow. Donc, les vers, sans l'eau, ça sonne. Oui. Et avec de l'eau, la quantité d'eau maintenant diffère le son. Wow. Pourquoi est-ce que je peux poser une question? Pourquoi vous avez dit, parce que vous avez dit il y a plein d'objets qui font des sons, qui créent des sons. Vous avez, je ne sais pas, tout ce qu'il y a sur ce plateau peut créer un son. Ouais. Pourquoi vous choisissez d'aller avec les verres? Les verres. Bon, avec les verres, ça peut tonner. Mmh. Avec les verres, ça peut sonner différemment. Mais avec votre corps, ça sonne. Mon corps aussi? Oui. Mon corps peut... non. Attention, la gifle, ça fait coup. Ouais. Il n'y a pas entendu le son. Avec, avec ton corps, tu peux jouer. Par exemple, je fais un exemple. Ça devient percussion corporelle. C'est monotone, ça ne varie pas non plus, en fait. Ça ne varie pas. Le son varie, ça dépend de là où tu frappes, au fait. Et puis le rythme que tu donnes au oui, son. Oui, voilà. D'accord, ok, magnifique. Oui. Par rapport au son, à la musique, comment tu arrives à détecter la quantité d'eau à mettre dans le verre? C'est ça. Bon. Alors, si on veut avoir le son d'eau, ouais, quel dosage il faut? Le son si... Ça, il va falloir être musicien avant de... Oui, voilà, il va falloir maîtriser le solfège. Là, ça rentre dans la technicité. Je pense que ça a été une étude. Si. Ce n'est pas une seule journée, ça a été c'est une longue période d'étudier et de maîtriser le son de tous les vers avec les doses. Je peux encore poser une question. Est-ce que tout ce que vous avez là, ce sont les notes d'un piano? Du do-ré-mi jusqu'à la fin. Oui, effectivement. Ici, j'ai mon mi grave. Ici, j'ai mon fa. Donc, d'ici vers là, ça fait mi, fa, sol, la, si, do-ré, mi, fa, sol, la, si, do-ré. Le mi d'en haut, là. Ah ouais. Félicitations. Ah ouais, attention. Je voulais dire félicitations, mais je suis choquée. Franchement. Franchement. Non, mais ça, c'est extraordinaire. C'est plus qu'extraordinaire. Il n'y a pas de mot extraterrestre. C'est comment je vais dire? Non, il a vraiment juste quelque chose de plus que nous. Là, il faut le reconnaître humblement. Ouais. Nous sommes intelligents, mais ce niveau-là, là, nous dépassons. C'est ce qu'on appelle génie. D'autres diront sorcier. Oui. Et mon frère. Alors, d'où t'est venue l'idée de travailler avec Elo et les verres? Voilà. Bon. Pour mieux s'expliquer, l'eau déjà même, elle sonne. Les gouttes d'eau, ça sonne. Tum, 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 tum. Des fois, c'est rythmique. Et les verres aussi, elles sonnent. Mm-hmm. Donc... au Bénin, il y a des instruments qu'on joue sur l'eau, des calebasses. Des calebasses, ouais. Voilà, dans les rythmiques de Gotha. Donc je me suis dit, bon, si la calebasse peut sonner sur l'eau, pourquoi pas l'eau dans un verre. Voilà. Dans un verre.
On peut aussi tester, hein, si on prend la calebasse de menthe et qu'on pose sur un seau d'eau, on va tester pour voir si ça résonne. Par contre, maman, là, ce n'est plus une calebasse. Là, c'est toute une entité, donc on ne peut pas toucher. Alors, il y a quelqu'un qui nous envoie un message qui dit « La détection des notes avec les verres et l'eau dépend de l'oreille musicale. » Effectivement. Et c'est de la part de Zébaot, justement, depuis Adakpamé. Merci beaucoup. Zébaot. Le Togo a des talents pas possibles comme ça. Oui. Bah, si, le Togo a des talents pas possibles comme ça. Merci beaucoup. Waouh, quel talent. Et félicitations et beaucoup de courage à vous. Voilà, ce sont les messages qu'on a reçus. Le dernier vient d'Aïcha. Merci beaucoup. On va poursuivre. Oui, alors, chers téléspectateurs, parlons de talent. Vous savez, Calva Challenge, c'est du 10 au 14 novembre. Et le 12, au cours du festival, on aura une conférence débat qui sera animée par Océane Amekodia. Comment détecter son talent et le développer? Et ça serait un échange très, très dense. Et prêtez-vous. Inscrivez-vous si vous voulez bien participer à cet échange-là, le 12 novembre, histoire de voir si tout le monde possède un talent et comment le développer. Vous avez le numéro affiché au bas de l'écran, vous pouvez vous inscrire ou participer en fait à cet échange-là. Elle est pratiquement gratuite. Alors, et mon champion, n'oubliez pas le champion, le champion. Il y a encore une question, il y a beaucoup de questions qui viennent. J'ai une question. Oui. Yannick est tout d'un coup inspiré. Techniquement, c'est de l'eau, il y a dedans. L'eau, c'est du liquide. Si on remplace l'eau, pas du whisky par exemple, est-ce qu'on aura ça marche. Ça fera le même son. Oui. N'importe quel par rapport liquide au dosage. N'importe quel, sauf les bouillies. Qui sont un coco. Qui sont épaisses. Ça, ça va alourdir ça le son. Ça va sonner, mais le son ne serait pas nickel. Agréable. J'ai une autre question. Est-ce que vous êtes souvent appelé à jouer de votre instrument sur des scènes et accompagner des musiciens qui viennent avec des instruments traditionnels? Oui, tout récemment même, j'ai fait une prestation en feat avec le vieux du rap, Eric MC. Yeah, man. Ouais, voilà, donc ça a été, et d'ici peu, on verra si... Oui, même le 10, il est programmé sur le Calva Challenge, voilà. Ah ouais. Il sera prestation au niveau du hangar de Cacavelli avec d'autres artistes. Ben, il suffit d'appeler ce numéro et puis vous allez voir le talent en œuvre. Alors, vous avez un contact, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver par mon nom. Le nom de la page, c'est Exobeat le folkloriste. Exobeat le folkloriste. Oui. D'accord. Donc, une fois tapé le nom dans la barre, vous allez voir ma page. Et pour me rejoindre sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire sur le 99 31 30 15. Le 99 31 30 15. Voilà. 99, 31, 30, 15. Bien. En tout cas, ça a été pour nous, franchement, une superbe découverte. Et je vous souhaite tellement de chance dans cette découverte. Mais au-delà de ça, dès qu'on aura la possibilité de vous permettre de participer au grand concours qui dévoile les talents, j'espère pouvoir vous retrouver sur ces scènes-là. Ah ben oui. Et nous, on sera derrière vous pour vous donner la force qu'il faut. Merci. Parce que oui, le Togo a un incroyable talent. Ah. Je vais vous demander d'applaudir notre ami. Ah non. Oui, un dernier morceau pour faire cadeau à tous ceux qui envoient des messages. Attends, mais avant ça, attendez, je vais vous lire un message. Waouh, le batteur, il est très, très formidable. Ah ouais, exactement. Justement, on va partir sur le son formidable. Non, peut-être il est pas. Ouais, moi, je voudrais juste placer un mot. C'est l'occasion d'encourager nos talents. Parce que j'étais bouche bée, et puis j'ai réfléchissais, et puis je me dis... dans le futur, parce que soit le monsieur, le jeune homme, n'aura pas les moyens de perfectionner son talent, ou carrément, c'est les études qui vont prendre le dessus, et le Togo est en train de perdre un talent comme ça. Ouais. Et je pense que, quand il a donné son numéro, ce n'est pas l'occasion de dire félicitations, mais c'est l'occasion de dire, ben, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà. Il y a tel budget ici, on va t'aider à avoir ce budget pour avoir... De meilleurs verres, pas tout le temps faire de la pub pour... D'accord et moi, c'est un coup de gueule. Et je pense qu'il est temps qu'on se lève et qu'on se mette à côté de nos jeunes talents
comme ça. Adi Joël, merci beaucoup. Je voudrais ajouter, il y a des bourses au niveau du ministère de la Culture. Pourquoi pas envoyer notre talent pour étudier la musique, voilà. Justement. Voilà. Ça le serait. En tout cas, je sais que vous n'êtes pas arrivé ici au hasard et que de toute façon, il y a une continuité dans ce que vous allez faire après cette émission qui ne sera que bénéfique pour vous et pour votre art également. Félicitations et beaucoup de courage pour tout ce que vous faites. Voilà. Bon, le dernier pour la route, hein. Un bon vin pour la route. Justement. Yeah, man. You le dernier know. Morceau, c'est une dédicace que je fais à un grand homme qui a partagé ma vidéo hier, monsieur Eugène Atigan. Wow. Le morceau, c'est le morceau de mon papa, Jimmy Hope, qui n'est plus avec nous. Mm-hmm. Donc, voici le morceau en question. D'encouragement, beaucoup de messages qui font chaud au cœur. Merci à tous ceux qui le soutiennent. Merci infiniment d'aller également partager ces vidéos sur ces réseaux sociaux. Et si vous avez envie de voir ce talent grandir, vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Hein. On va poursuivre cette émission à présent. On va lire vos avis. On va parler cinéma également avec Mister Joël. Miss Eboukwa, pause conseil et pause ciné, c'est tout de suite. NG Corporation présente la deuxième édition des Meetup Level Up avec un invité de taille. Après le grand succès de la première édition, Lomé accueille M. Yann Amand, entrepreneur, chef d'entreprise, fondateur des programmes RIAC, Rêve en Action et autres de la série de livres à succès. Entrez et prenez. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous professionnel de création d'opportunités d'affaires au Togo avec le conférencier international Yann Amand sur les thèmes « Entreprend et devient champion national au jour 1 » et pour le jour 2, « Stratégie de croissance et opportunités d'affaires ». Deux dates, les 30 et 31 octobre 2021 à 14h à Hôtel Onomon à Lomé. Passe 15 000 et 20 000. Infoline plus 228 70 36 41 21. Salut, wow, vous êtes tous beaux aujourd'hui et belles. Et le batteur, je le félicite de tout mon cœur. Merci à lui de nous avoir appelé notre papa, Jimmy Hope, et qu'il repose en paix. Absolument. Merci beaucoup pour ce message. Alors, le sujet du jour, on vous représente les choses dans cette vidéo et juste après, on revient. Retrouver Madame Marthe Faré et... Est-ce que j'ai déjà dit situation rocambolesque? Regardez. Ah là là. Alors, si. Oui, il s'en est doué. Mbénade,
Maman, les sons, il y a les mains ou quoi que tu as mis, il y a des gens qui ont mis le temps, il y a des gens qui ont mis le temps, et bien, il dit, il y a ma vie, et comme TikTok, il dit, il y a ma vie. Et bien, nous vivons sous ville ici, des vieux de 16 ans. Vous voyez, il y a des vies de cas qui sont ici, parce que, qui dit, des vieux, on voit, il faut foutre, il faut la blé, il faut foutre, il faut la blé, caca quoi. Il va décoller, il y a des bon. Et vie de cas, il y a des vies, les privés de mes, vous voyez, et de 16 ans, et les premiers. Mais les vieux, tu as un téléphone et qu'on dit, il y a un soir, le soir, bon. Mais il y a un soutien, mon bébé. Il y a un soir, des vieux avec téléphone quoi avec à quoi mais alors que ben mon bonaï quoi ben des vieux entochants il y a mon téléphone entochants est verrouillé nam téléphone alors mon verrouillé parce que il y a mon sonna téléphone que quand la vague pas d'abri et nous on les mende on cache des vieux parce que nous souviens donc il y a des sous mouina et nous on dit ni sorry yo nani alors si t'es difficile yo les dounou au dounou voyez si t'es jove les croque dans le nez que quoi notification les vingt notifications les vingt quoi y a beaucoup de notifications quoi. L'on a dit, on a dit, il y avait vu si vous, il y a des téléphones à mes parabés. Mais quel est le nom? L'on a dit, il y avait vu, il y avait vu quel est le nom? L'on a dit, il y avait vu. Il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un message à quoi? Et je crois que nous souvenons, il y avait peut-être encore mixé. Encore d'où les gens nous chantent, nous chantons, il y a un quoi? Et si nous dit, il y a quoi? Nous sommes des photos, il n'y a que eux. Nous suivons encore, nous suivons photo. Il transforme le message. Il fouille, il dit. Et il message, on me le dit. Il n'y a pas de problème. Nous suivons. Mais on ne peut pas nous suivre. On partage une photo sexy. Nous suivons. Nous suivons. Et là, on a un peu de fio. Et bien, il y a des gens. Il y a des gens. Que yo kaba kaba ko eta telefone ade ele buta me kaka nefia ele buta me leke la wedo ya bia ye ngba bia vo anya ngba so nya de kape ehia me nyanu kaka me be vio be telefone me ma ni nya de le miesia me jamais igbe vo mde kuku e sabe message ki mpartage a amo va les zoom de kaja koto mi ngba no zoom me na me de so nya va pomia conseil ye be le di ne kuku mi ne conseil a de ngba hia me mi aso mo kwa. Mais de coucou, mais nous sommes, mais va les hommes, mais va toute histoire parce que à mes entours, son histoire à l'eau d'un bien, mais des coups à mes entours, son histoire à l'eau d'un des coucou, n'y avait et ils ont des masses et n'y avait ni au dalo. Voilà, alors c'est la situation qui nous est présentée aujourd'hui. Vous êtes nombreux déjà à réagir par rapport à cela. Et nous allons quand même faire un petit tour de table ici pour voir ce qu'en pensent justement nos chroniqueurs. Joël Missé-Boupo. Ben, merci quand même pour la question, l'interrogation, la surprise et surtout cette Afrique qui est en véritable perte de repères. Et moi, je suis un peu surpris. Et les questionnements sont du genre, quand ça a démarré jusqu'à atteindre ce niveau? Parce que quand l'enfant, je parle d'enfant parce que je me dis, on est quand même juste après, avant un peu l'adolescence. Et quand l'enfant qui répond pour extérioriser un sentiment, pour dire « tu me manques », ça veut dire que psychologiquement, c'est arrivé quelque part de très très loin. Et c'est compliqué de ramener cette personne, surtout avec son âge, soit un peu après puberté ou en pleine puberté. C'est compliqué. Pour avoir vécu un peu à côté de certaines familles où on voit deux, trois enfants qui sont en pleine puberté, le comportement des enfants et tout, je me dis, ce sera beaucoup plus qu'un casse-tête chinois pour cette maman-là. Et la réelle question, c'est comment est-ce que c'est arrivé à ce niveau? Et pour moi, je pense, pour revenir un peu sur la question de repères de l'Afrique, cette histoire de mondialisation est en train de nous envoyer dans tous les sens, où aujourd'hui, on n'est même pas capable de dire à nos enfants, bah attention, ça là, ça ne fait pas partie de nos mœurs. Parce qu'en réalité, c'est ça aussi la question.
la question de la centralisation, de la culture, de la tradition, ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire, et ce qu'on laisse aller facilement par l'imposition forcée des médias, le choix des programmes que les enfants suivent à la maison, qui constituent des incidences majeures pour l'éducation et pour ses parents, pères ou mères, qui sont permanemment en train de chercher de quoi nourrir la famille, et qu'on laisse les enfants à la maison, je pense que c'est un des résultats. Et ce n'est qu'une partie infime de l'iceberg. Parce que quand on va beaucoup plus en profondeur et qu'on va voir en fait nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe dans les maisons, je n'en veux pour preuve qu'entre-temps cette histoire de l'homotif, c'est la vie réelle de nos enfants à la maison. Je reviens, mais pour l'heure, c'est juste dire que nous avons besoin d'avoir les deux pieds par terre, la tête sur nos épaules. Qu'on essaye de dissocier la religion à côté de l'éducation et que surtout, nous ne devenions pas ou que nos enfants ne deviennent pas ce que paix à son âme, Amadou Kourouma qualifiait de ni hirondelle ni margouya. Je m'arrête là pour longtemps. Bravo. Merci beaucoup, Joël. Donc, je pense qu'on aurait pu conclure l'émission sur cette intervention, mais on va lire quand même les interventions des téléspectateurs. Alors, à partir du moment que l'enfant est mineur, on doit fouiller son téléphone. Alors, pour le problème de maman, je ne trouve aucun souci à fouiller le téléphone de cet enfant, surtout que celui-ci n'a juste que 16 ans. Je conseille à sa mère de faire asseoir son enfant et discuter largement avec lui, qu'elle ne s'attarde pas seulement sur le côté négatif, mais aussi sur le côté positif. Et surtout qu'elle tire son attention sur l'acte. À partir de cet instant, que la mère le suive de près. Et c'est Anaïs depuis Cara. Merci beaucoup. Alors, maman n'a qu'à lui demander quel rôle il joue dans le couple. Ah, ça veut dire qu'on considère déjà qu'il est un couple. Monsieur ou madame, peu importe la réponse, il mérite une bonne paire de gifles. Merci beaucoup. En tout cas, c'est votre avis. On respecte absolument. Alors, juste pour vous remercier pour l'émission. Et il faut nous interpréter un peu la vidéo. Alors, pour ceux, on vous présente nos excuses, pour ceux qui ne sont pas togolais ou qui ne comprennent pas Minan, cette vidéo relate juste une situation d'une jeune maman qui a découvert des échanges plus ou moins sexuels, érotiques et amoureux entre son fils de 16 ans et un autre garçon. Elle est tombée fortuitement sur le téléphone de cet enfant et elle se demande quelle posture avoir justement pour lancer la conversation avec cet enfant. Est-ce qu'il faut y aller de main forte? Ou alors il faut adoucir un peu les choses pour pouvoir avoir une discussion franche avec cet enfant. En tout cas, merci de participer à ce débat. Mentor Ambulon. Ah, merci pour la parole. Alors, avant toute chose, j'aimerais remercier Tonton pour l'aperçu qu'il a fait sur la situation. Mais nous ne sommes pas du tout des homophobes. Hein. Mais sachez que c'est une question d'instinct. Actuellement, notre jeune homme, il a été déprogrammé, comme dira le professeur. Et c'est son instinct qui parle, quels qu'en soient les conseils de famille, quel qu'en soit ce qu'on en dira, le gars, il va se focaliser peut-être, il va jouer de l'hypocrisie, qu'il ne va plus faire ça, mais il faut savoir qu'il est déprogrammé. Alors, pour moi, le jeune homme, il est récupérable. On ne peut plus le changer par rapport à son instinct. Mais ce qui m'importe, moi, c'est les enfants qui arrivent. Je vais là parler de l'éducation. Aujourd'hui, tous nos médias font le culte de l'homosexualité, surtout Telenovelas Hololo. Il n'y a pas de feuilleton ni de film sans l'homosexualité. Même les dessins animés. Ouais. Vous voyez, c'est aberrant. Nous ne sommes pas des homophobes. Nous, on parle par rapport à notre culture, ce qu'on vit. Parce qu'il y a des années de cela, des milliers d'années, notre société nous a imposé l'hétérogénéité. Et aujourd'hui, ben, on nous bombarde de l'homosexualité. C'est normal que nos enfants puissent rentrer dans cette direction.
La question n'est pas une question de famille, mais une question sociétale. C'est par rapport aux décideurs. C'est vrai, le Togo n'a pas ratifié au Gay Pride. Donc, ce n'est pas possible que dans nos médias, on fait l'apologie, le culte de l'homosexualité. Ça agit sur nos enfants. Même dans les discussions, les petits-enfants, entre garçons, disent à l'autre que ben, je t'aime, hein, tu sais. Et puis, garçons. On ne va pas s'éloigner question. Je suis en train de faire une analyse générale de la chose. Ouais, mais là, par rapport à la maman. Oui, ben, je l'ai déjà dit que le jeune homme, il est récupérable. Maman, je suis désolé pour vous, mais s'il y a ses soeurs ou ses petits frères, c'est sur eux qu'il faut travailler maintenant. Sinon, lui, pour moi, il est récupérable. Alors, ça veut dire que cette maman n'a pas la possibilité de lancer la discussion avec son enfant. Discussion ou pas, le jeune homme ne pourra pas changer. Parce que c'est une question d'instinct. La mère, mais m'a tout trouvé. Je crois que John n'est pas totalement de ton avis. Alors, d'abord, merci beaucoup pour la parole. Tu n'as pas le choix. Alors, je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord avec mentor ambulant. D'accord, c'est son point de vue à lui. Et moi, je trouve que l'enfant, s'il peut encore changer d'avis. Ouais. Parce que rien n'est tard. Rien n'est vraiment tard. Il suffit juste qu'on confie cet enfant-là à un spécialiste, d'accord, pour le faire changer d'avis, pour carrément le reprogrammer. Je dis ça, je ne dis rien. Maintenant, revenons au fait. Je vais dire à la grande dame, ou bien à la maman, qui est à la maison, qui nous suit peut-être, ouais, de donner beaucoup de conseils à son fils. Parce que les réseaux sociaux, franchement, aujourd'hui, c'est très dangereux. Tu envoies une photo à quelqu'un, c'est que la photo reste. Tu peux supprimer la photo, elle est toujours là. Mm-hmm. Dans cette affaire d'homosexualité, tu envoies ta nudité à un homme. L'autre, c'est-à-dire la personne qui est à l'autre bout du fil, lui, elle prend cette photo-là et elle commence par te faire des chantages. C'est bien possible. Ça peut arriver. À toute la famille aussi. Alors, moi, je pense que la maman devrait d'abord essayer de conscientiser son enfant sur ce côté-là. C'est très important. Et puis après, essayer de reprogrammer, hein, comme l'a dit Monteur en bien, comme je l'ai dit, cet enfant. C'est très important. Alors, il y a Rejoice depuis Yagoué qui dit, en tout cas, elle n'a qu'à lui chercher une femme en même temps. On en parle. C'est pas là le problème. Monique Indien. Eh bien, je vais poser la question à tonton. Ton élément fait combien de minutes? Non, attends, tu ne vas pas lui faire une intervention de 5 minutes, si c'est ça, je n'y vais pas. Non, ce n'est pas une intervention de 5 minutes, mais j'aimerais aller bien en langue. Il n'y a pas de mot pour qualifier. Mais où? Il y a un peu de mot. Et les djena, mais. On a dit djena. Djena, mi va doit be, avec fidea, yok, bova de ton ami be, de vilo djena, yon nou do djena. Je vais parler bien sûr de droit de l'enfant. Droit de la femme. Mi bova le ikaka, bova le blombe, yon nou kudo nou soube, et mama edolani de ka. Égalité, émancipation, même l'accent est mis sur l'émancipation de la femme. Attention, ce que je dis a pour lien ce qui se passe. Egbeyari, endolia, miabe kpakpla konami le Afrika, mingba ten sokbleur. Devi a fifi olava non blombena. Est-ce que Jila la te fouya de viva pareil mema. Yo, et pas de comme les miens, bon, voilà. Ah, comme c'est bon, il y a des droits, il y a des trucs. Bon, que l'enfant s'en est mis en mien bois, n'y a non ni dédéa. Kene pon moi, elle a va noter, elle a va bio, c'est bien allé. Et la poma. Vous savez, chez nous en Europe, on a le flair d'aller directement à l'essentiel. C'est comme ça, on a mené les dévis au troc pour le neva, moi, dit. Chez nous, à Bolémou. Et n'y a rien.
Jenava oumi tellement bien. Afiké mi la lenya toa ming ba tendo va lenya to e gomme ibe de bien fio mi atebak benya nou. Intervention mes filles sur la babé de bi a jok blevo. Be e nya ke joa e me ko gmana. O jago. Oh, la recadrer nam. C'est pas la violence, on la fout car. C'est pas la violence. C'est pas la violence. Mais un noir d'eau, elle est normale, mais elle va fouiller, elle va caca et portable, Il y a des choses, c'est vrai, les médias aujourd'hui, ça communique du n'importe quoi. Aujourd'hui, j'avais posé une question sur ce plateau, on m'a dit que c'est la question, nous l'avons néné. Et bien. C'est vrai que yo volé injecté et nam be ma vagin be mega men yantoni no miak bo le fi. Et yo volé tonton raison pour laquelle j'avais demandé c'est ton élément. On y va là, on y va. De toute façon, on est dans la dernière en droite. Yo volé. Oui. O les kogado jenadio mekeye egbene amokowe jenawa le kanu sitia. Ola lumu ke mi le yo ba Afrika be e nous c'est cinq coups de nous dit facilement très facilement devi afi au nom de la loi la grombe devi on miate kaka pareil meneu yo mi agbo a sonya ba mi agbo devi a le ko mi da kaka pareil mené devi on mené pla pareil Nyam do dwa la pareil on dit king boy avoir des exemples pareil c'est ça en fait c'est ça et ben j'ai mis une vidéo sur mon statut actuellement nyon vire que ça a halé koren kumene nous soir comme et son loulou cha koren kumene kweto j'ai commenté ça là on va dire que ça on injecte de l'argent dans du féminisme que la femme a le droit. La femme a ce droit, elle a ce droit, elle a ce droit, elle a ce droit. L'acte qui veut soit le coco, on va trouver bien bon. Qui veut le coco pour soit le corps et aha, c'est sacré. Soit le corps et nous soit-il attention. Nous soyons le droit. Il est sacré. Nous soyons les bien dans l'enfant du poids. On va être violence. Voilà. En tout cas, j'ai réussi à m'avancer. Ce n'est qu'une première partie de ce débat. Et franchement, je pense qu'il est judicieux de revenir sur ce débat. On va voir si ça pourra se faire dans cette semaine ou peut-être le vendredi pour une émission spéciale ou alors la semaine prochaine. On remercie simplement tous ceux qui ont envoyé leurs avis. Il y en a tellement eu. Merci infiniment d'aider cette jeune maman à sortir de cette situation. Et comme on le dit, il y a une question de différence en fait d'avis. On respecte l'avis de tout un chacun. Ce n'est pas de la guerre, on n'insulte personne. On maintient la paix, mais on trouve surtout une solution à ce problème. On se retrouve demain avec le professeur Camille Aguati. Pourquoi pas lui demander son avis par rapport à la situation. Je dis merci à tous mes panélistes, merci à nos invités. Et puis pour ce qui vous concerne, prenez grand soin de vous. Que la santé soit votre partage et surtout à demain. Bisous. Tous les mois, sur la télévision.